Bah ouais, ça va, et toi, écoute? Ça va. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air... C'est le gang à Marcy, il est encore à l'école, là. Ça, putain, encore eux, là? Non, ouais, ils m'ont niqué. Ah, putain, mais c'est enfoiré, là, si je les vois, ça, je comprends pas. Mais franchement, mais... Faut que tu te défendes un peu, là. Je fais rien, quoi, c'est... Je sais pas, fais du taekwondo. Ouais, mais après, je l'ai dit à... Je peux pas dire à mes parents, parce que... Ah ouais, ouais, je comprends. Voilà, tu comprends. Bon. Ça te dit ou pas, on va jouer à BO3 là, sur... Bah, bah vas-y, on y va, ça va changer les idées. Ouais, comme ouais, ça, ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est par là. Ouais, ouais, ouais. Nous on est là. Hein. Encore une journée de merde qui commence. C'est vrai, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le gang. Orphelin dès mon plus jeune âge et élevé par un ermite, j'ai vécu reclus toute ma vie dans une grotte et écarté de tout sens de la réalité. À la mort de mon père, très instable dans ma tête, j'ai commencé à voir le monde différemment. Je devais explorer de nouveaux horizons et occulter mon passé.
Vous voulez sentir un nouveau parfum de la vie, avoir une nouvelle vie. Tiens, je te nique, moi, un peu. Je te défonce, moi, là. Oui. Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, j'ai vu, c'est ouvert, t'étais pas là. T'es entré comme ça? Oui. Tu dégages. Pourquoi? Tu demandes d'abord, avant d'entrer. Tu dégages. Allez, vas-y. Non mais casse-toi. Vas-y. Hey. Hey, tu sais quoi, mec? T'as changé. Je te quitte. Ah bon, ok. Assis-toi. Mec, je crois que quand tu disais que j'allais changer, je crois que t'avais jamais eu autant raison. Hein? Ah oui. Putain. Si tu préfères, je me suis fait piquer par une abeille. Et depuis, des muscles. Abeilleman. Enfin. Non? Non. Je me suis fait piquer par une abeille et depuis, des muscles. Ma vision n'a jamais été aussi bonne. Je te jure, c'est parfait. Ça voit bien une abeille ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu sais voler? Non. Pourquoi? Ça se trouve, il y aura des ailes qui vont te pousser dans le dos. Ouais, mais non, mais je pense pas. Mais si, attends, mais gros, des ailes comme ça! C'est trop bien! Non, non, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Tu sais quoi? Je crois qu'elle avait un problème cette abeille. Si c'est vraiment vrai, c'est pas français, mais t'as compris ce que je voulais dire, tu pourras niquer Marty comme ça. Et ouais, Marty. Ouais, mais il y a autre chose. Déjà, l'abeille était bleue, donc je me pose des questions. L'abeille bleue, l'abeille cool, l'abeille... Ouais. Pourquoi elle était bleue? Je peux pas t'expliquer. C'est bizarre. En tout cas, depuis, tout va mieux. Retiens bien mon nom, l'homme abeille. C'est Claudius, Sébastien. Encore ce super-héros, satané. Des années passèrent et ce satané super-héros se devait d'être exterminé, écrasé comme une mouche. Ce nigo jouait avec la haine que je portais pour lui, et ma colère ne cessait de grandir. Je décidai donc de m'entraîner jour et nuit au combat, dans le plus grand des secrets. J'arrive. Regarde, t'es passé dans le journal. Trop bien. Bah ouais. C'est la seule réaction que t'as? Bah oui, Un jeune homme sauve une demoiselle des griffes d'un malfaiseur. C'était qui le malfaiseur? Le malfaiseur? Un malfaiteur. Oui, mais c'est pareil. Oui. C'était qui? C'était Marty? Ouais. Oh, l'enculé, j'ai une... Voilà ça. Eh oui. Tu as défoncé? Ouais. T'as fait comment? T'es taekwondo? Ouais. Comme ça? Ouais, un peu comme ça. Et il a agressé une meuf et tout, et moi j'ai... Ah ouais? J'ai vu, t'avais le masque et tout. Enfin, son journal, c'est... Ouais.
m'appelle Marty McFly. Passe-moi ton téléphone. L'homme abeille. Abeille. Viens ici. Si t'as le courage de m'affronter. Je sais qui je suis. Je suis l'homme abeille. Je suis là. Faites ça! Parce que je suis jaloux! Ah oui! Pourquoi? PremiumBeat.com.
fantôme. Un joyeux luron. Comment les appeler? Il va tellement me manquer. Votre fils était brave. C'était mon frère.